Bonjour à tous et bienvenue sur Recette & Co. Aujourd'hui, nous allons faire une recette de gâteau au chocolat. Bonjour à tous, moi c'est Alice. Et moi c'est Suzy. Pour cette recette, nous avons besoin de 60 ml d'huile de tournesol, 100 g de cacao en poudre, 3 œufs, 120 g de farine, 120 g de sucre, 10 cl de lait, et un sachet de sucre vanillé et un sachet de levure chimique. Pour commencer, préchauffez le four à 190 degrés et graissez le moule. On commence par mettre la farine, le sucre vanillé et la levure chimique. Mélangez le tout. Faites ensuite un petit puits. Maintenant, on va mettre l'huile et le lait. Mélangez énergiquement pour faire une pâte lisse. On ajoute les œufs un à un sans cesser de battre. Maintenant, on met enfin le cacao, mais petit à petit. Et vous devez obtenir cette pâte. Après cela, enfournez-le pendant 20 minutes. Bien évidemment, en le mettant dans le moule. Surveillez la cuisson et quand vous pensez que c'est bon, prenez un couteau, plongez-le dedans et si la lame ressort propre, ça veut dire que cela est bon. Et maintenant, la dégustation. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like et à mettre la cloche. C'est ça que je voulais dire. Merci au revoir.